Salut, c'est Emeraude, bienvenue sur ma chaîne Emeraude VMAX. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des coffrets, des évolutions d'Evoli. Donc on a Voltali, Pyroli et Aquali VMAX. Donc on va commencer tout de suite avec Voltali. Donc voilà, pour commencer le coffret, à quoi il ressemble. Donc nous avons ici le petit pins qui est très très joli, magnifique même. Nous avons évidemment les deux cartes promo qui sont vraiment sublimes, je les adore. La carte jumbo, pareil, vraiment magnifique. Et donc nous avons 5 boosters à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Va bien, la carte est en très bon état. Je vais mettre ça sur le côté. Donc voici la carte promo Voltali V. Franchement, elle est juste magnifique. Je ne saurais pas la décrire, à part dire qu'elle est magnifique. Franchement, je ne vois pas que dire. Ça mérite franchement un top loader. Sleeve et top loader. Sleeve, c'est obligatoire, hein. Mais top loader aussi pour le coup. Non mais regardez-moi cette beauté. Franchement, elle est juste magnifique. Oh là là. On va prendre du coup la deuxième. Franchement, la VMAX, elle est juste... elle est juste sublime. Regardez-moi ces effets. Elle est pailletée en plus. Elle est juste magnifique. Pareil, évidemment, ça mérite une sleeve et un top loader. Oh là là, avec les éclairs qu'il y a partout derrière, c'est juste sublime. Je n'aurais pas décrire ça autrement en fait. Elles sont juste vraiment magnifiques ces cartes. Hop, on va pouvoir reprendre. Alors, nous avons aussi la carte jumbo qui est tout aussi magnifique, franchement. C'est la VMAX qu'on a en jumbo. Elle est vraiment sublime. Vraiment magnifique. Nous avons donc aussi le pins qui est franchement très très joli. La forme de Voltali, là j'adore. La petite forme qu'il y a derrière. Très très jolie. Avec les petits éclairs. Et donc, nous avons 5 boosters. Alors, attendez que je les mette ensemble. Donc, nous avons un booster Évolution Céleste, 2 boosters Reine de Glace et 2 boosters Point de Fusion. Je pense qu'on va commencer par dans l'ordre où c'est sorti. Donc, Reine de Glace, Évolution Céleste et Point de Fusion. On va faire ça comme ça. Et on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, évidemment, les coffrets, je les ai plus pris, honnêtement, pour les cartes promo que pour les boosters, hein, soyons honnêtes. Rien que les cartes promo, ça mérite. Alors, énergie. Corne résonante. Narcisse. Kirlia. Stalgamin. Aspico. Morpheo, Quillfish, Tarsal, Lanterne accueillante en reverse et Branette. Bon, on commence avec pas grand chose, mais c'est le début du coffret. On espère quand même avoir un petit peu autre chose. Enfin, je suis sûre que je vais avoir des ultra rares, mais la question c'est quel ultra rare je vais avoir. Parce que si c'est une simple V, on va dire qu'il y a mieux. Alors, énergie. Corne résonante. Rouleau perçant, point final. Saturnin. Wishours. Zébibron. Quillfish. Ramolos de Galar. Aspico.
Cimetière ancien en reverse. Et pire au but en holo. Ok, c'est pas mal. Une holo. C'est toujours mieux que rien. Hop là. Le pire au but. On va passer. Passer. On va passer plutôt au booster évolution céleste. J'ai fait un mix entre passé et booster. Ça fait passer. Je vais vous inventer des mots. Énergie. Badge ruban. L'énergie. Guerriaigle. Furéglon, Nénupio, Emolga, Chauve-sourire, Tournicoton, Gobelet d'échange en reverse et Pomme drapie. Bon, c'est pas trop ça. Pomme drapie, c'est vrai qu'il nous avait manqué Pomme drapie, dis donc. J'avais oublié. Non, c'était pas Pomme drapie. Si, peut-être. On va passer à Point de fusion. Parce que c'est vrai qu'il y a des cartes qu'on a plus souvent que d'autres dans les boosters. Alors, énergie. Loclas. Écolier. Armando, Rachid et Noah. Larvibule. Motisma. Quelorior, Carvana, Coquiperle, Miasmax en reverse et Papillusion en holo. C'est pas mal quand même. On a une holo. Pour l'instant, ça nous fait deux holos. Donc Papillusion, qui est très jolie d'ailleurs, je trouve. En holo, franchement, elle est très belle. J'aime beaucoup. Bon, ça vaut pas évidemment une ultra rare type VMAX ou secrète. Mais c'est un bon début. Et le dernier booster de ce coffret. Alors, énergie. Mushana. Aflamma Noir. Cuisinier, Ferro-singe, Cradopo, Lixi, Larvibule, Ferro-singe, Décéliande en reverse, mon Pokémon préféré, il m'avait tellement manqué celui-là, et Limaspid. Décéliande, l'un des Pokémon que j'aime le plus. C'est ironique évidemment. Donc bah voilà pour ce premier coffret. On va maintenant ouvrir le Pyroli VMAX. Pareil, hein, franchement, il y a toujours le Pins magnifique. Les deux cartes promo qui sont évidemment sublimes. Et la carte Jumbo qui est toujours aussi belle avec toujours évidemment les 5 boosters. Donc voici la carte promo Pyroli V qui est juste évidemment sublime. Hein. Magnifique avec ce pyroli au coin de la cheminée. Franchement, vraiment magnifique. Je l'adore. Franchement, elle est vraiment très très belle. Nous avons évidemment la Pyroli VMAX. Oh là là, elle est vraiment très jolie aussi. Avec noix de coco juste ici. Évidemment, sleeve et top loader obligatoire. Franchement, les effets qu'il y a sur les cartes, c'est vraiment magnifique, quoi. Ça brille tel des paillettes. Non, franchement, très très belle carte. En plus, comme c'est un VMAX, forcément, il est gigantesque. On le voit à 10 km, voire même plus en fait. Évidemment, la magnifique carte Jumbo VMAX, qui est exactement la même, hein, évidemment.
mais en jumbo. Mais du coup, avec les jumbos, on voit mieux les détails. Donc, c'est très bien. Avec toujours le petit pins. Alors, c'est exactement la même forme de pins, sauf que, évidemment, il y a maintenant Pyroli dessus. Et il y a des petites flammes pour, évidemment, Pyroli. Mais du coup, très très joli aussi. J'aime beaucoup. Nous avons donc toujours les 5 boosters, 1 évolution céleste, 2 règnes de glace et 2 points de fusion. On va commencer par Reine de glace. J'avais commencé par évolution céleste, mais on commence par le plus ancien, enfin par la série la plus ancienne des 3. Donc en l'occurrence Reine de glace. Franchement, je suis tellement contente de ces coffrets. Ils sont absolument magnifiques. Ils sont vraiment sublimes, quoi. Juste pour les cartes promo. Donc, Énergie, Narcisse, Lona, Bastien. On va faire tous les dresseurs, là. C'est pas possible. Poulpaf, Morpheo, Forme Blizzard, Bibichute, Galikid, Tarsal, Stalgamin en reverse et Chifour, point final en holo. Donc très belle carte. Hein. J'aime beaucoup les holos. Je trouve que ça fait très très, très holographique. Voilà, C'est n'importe quoi ce que j'ai dit. Mais j'espère que vous m'avez comprise. Bon, on va passer au booster suivant. Allez, parce que dans le dernier coffret, on n'a eu que deux holos du coup. Ce serait bien d'avoir quand même au minimum une V. Alors, énergie, gant dévastateur. Kirlia, Gant Justicier, Pyronie, Sépiatope, Rocabot, Fantominus, Coxie, Chapotus en reverse et Pyrax. Ok, bon, il nous reste encore 3 boosters. On croise les doigts. Allez, on va passer à Évolution Céleste. En espérant que ça nous porte chance. Alors, énergie. Tentacruel. Gant de caoutchouc. Flouette. Solochi. Teddy Ursa. Granivol. Tignon. Passe rouge. Dracos en reverse. Oh, ok. On a une jolie carte. Et Aqualie VMAX. Qui est une très belle carte, Aqualie VMAX. Je vais pas me plaindre. En plus, c'est marrant parce que du coup, on est sur les évolutions d'Evoli. Et j'ai une évolution d'Evoli. Donc, c'est très marrant d'avoir ça dans les coffrets. Bon, alors par contre, c'est pas le bon coffret. Aqualie, c'est celui que je vais ouvrir juste après. Là, on est sur Pyroli. Donc, ils se sont trompés. Mais sinon, à part ça, ça va. Non, franchement, ça va. Franchement, le Aqualie VMAX, très très beau. Allez, il nous reste 2 boosters points de fusion. Bon, vu que j'ai eu Aqualie VMAX, je m'attends pas à avoir autre chose. On verra, hein, mais j'y crois pas. C'est comme le loto, si tu gagnes une fois, tu peux pas gagner de plusieurs fois. Enfin, si, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Alors, énergie. Volcaropode. Chrysapile. Juge. Hexadron. Kélocroque. Araquois. Vostourneau. Miaouss. Fenard en reverse, magnifique carte, franchement. Et l'euphorie.
Écoutez, ça va, hein, l'euphorie quand même, c'est pas le pire Pokémon qui existe. Même si c'est pas... c'est juste une rare. Et dernier booster de ce coffret. Énergie. Scorvol. Fenard. Vaututrice. Escargôme. Rototaupe. Sapereau. Gobou. Chenipan. Enchouette en reverse. Oh! Je m'attendais vraiment pas à avoir une carte comme ça dans un coffret. Alors attendez, on va faire ça en une seule fois. Oh, Lugula brevet en full art. Franchement, pas mal. C'est pas le meilleur Pokémon, hein, honnêtement, mais c'est pas mal quand même. C'est une full art. Donc, je suis vraiment contente. Et en plus, je l'avais pas, donc forcément, je suis encore plus contente. Franchement, pas mal du tout. J'aime beaucoup. Bah écoutez, ce coffret était plutôt bon. Non, je dirais même qu'il a été très bon. Mais donc on va passer quand même au coffret Aquali. Donc évidemment, comme d'habitude, le petit pins, les deux magnifiques et superbes cartes promo V et V Max et la magnifique carte Jumbo, ainsi que les 5 boosters. Hein, je me répète, mais il y en a toujours 5, ça change pas. Évidemment, comme d'habitude, la magnifique carte Aqualivé promo. Oh là là, elle est vraiment sublime, quoi. Franchement, je ne saurais que dire de ces cartes promo. C'est juste magnifique. Je n'ai pas d'autres mots pour les décrire. Regardez-moi cette beauté. Aquali n'est vraiment pas mon... Pardon. Aquali n'est vraiment pas mon évolution d'Evoli préférée. Mais franchement, les cartes sont vraiment sublimes. Et évidemment, la carte promo Aquali VMAX. Je ne saurais même pas la décrire. Je n'ai même plus de mots. Franchement, juste waouh. Ça, c'est le genre de carte qu'on garde sous sleeve et toploader et bien à l'abri. Regardez-moi cette beauté, franchement. Alors je sais, il y a des personnes qui diront ça va, c'est juste une carte. Non, ce n'est pas juste une carte. C'est une carte absolument magnifique. Franchement. Voilà. Et évidemment, la magnifique, toujours carte jumbo. Aquali VMAX. Voilà quoi. Avec d'autres Pokémon aquatiques à côté, franchement c'est juste magnifique. Évidemment, toujours le pins. Donc voilà, hein, c'est toujours la même forme de pins. Pardon. C'est toujours la même forme de pins. Donc avec Aquali. Autofocus est un peu pourri là, désolé. Donc c'est toujours la même forme de pins avec Aquali. Derrière du coup c'est en bleu avec des gouttes d'eau. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais évidemment, les pins sont très très jolis. Et surtout, ils sont assortis puisque c'est la même forme. Et donc, comme toujours, les deux boosters Reine de Glace, un booster Évolution Céleste et deux points de fusion. Ah, on a les mêmes visuels sur les boosters points de fusion. J'aurais préféré autre chose, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va commencer comme d'habitude par Reine de Glace. Je m'attends pas à quoi que ce soit dans ce coffret. J'ai déjà eu un coffret pas mal. Je pense pas que je vais en avoir un deuxième qui soit bon. Alors, énergie. Énergie impact. Sentier blanche sim. Arrosar. Zébibron. Fantominus. Smogo. Cadoiseau. Canartichaut de Galar.
Loclass en reverse et Smogogo. Bon, c'est normal, c'était le premier booster. On passe au suivant. En même temps, si on a déjà la meilleure carte dans le premier booster, après on est déçu, hein, franchement. Enfin, ça dépend quelle carte, c'est. Alors, énergie, crabe abominable, rouleau perçant, point final, Lona, Coxie, Porygon, Sucroquin, Farfuret, Blitzy, Sucroquin en reverse et Krakos en holo. Bon, on a une holo déjà. C'est un bon point. Il y a quand même quelque chose dedans. Bon, en principe, normalement, dans un coffret, on a quand même au moins une holo. C'est le minimum. Alors, évolution céleste. Alors, énergie. Chaz. Pifeuille, Guerriaigle, Tignon, Nénupio, Ténéfix, Teddy Oursa, Watwat, Sulfura de Galar en reverse et une V, je pense. Mental EV. Ok, bah ça va franchement. Une V. En plus, c'est Mentali, c'est pas mal. C'est pas des Céliandes, donc c'est bon. J'en veux plus de ce Pokémon, je vous assure. Non, franchement, c'est pas mal. Tant que c'est les évolutions d'Evoli, ça va, ou alors des bons Pokémon. Mais le genre de Pokémon des Céliandes, Miasmax, j'aime pas du tout ces Pokémon-là. Donc Mentali, je suis très très contente. Et donc, les deux derniers boosters, point de fusion. Alors, énergie, Lockpin, Flobio, récepteur croisé, Laporeille, Poulpaf, Anchouette, Zorua, Coquillas, Crocodile en reverse et... Et une V, je pense. Et Amphinobi V. Écoutez, ça va. C'est Amphinobi quand même. C'est pas trop mal. Et du coup, ça nous fait deux V de suite en plus. Bon, là, je pense que dans le dernier booster, il n'y aura rien, honnêtement. Hein. Faut pas se leurrer. J'ai eu quand même deux V. C'est déjà pas mal. Dans un coffret, faut pas trop en demander. Voilà. C'est pas mal comme carte quand même. Et donc, le dernier booster de cette vidéo, de ce coffret et point de fusion. Pour le coup, je vous donne le petit code pour Pokémon TCG. Et du coup, hop là, énergie, Moumouflon. Gant spongieux, Belle de neige, Possipi, Goupix, Meltan, Toxizap, Starry. Oh, ça fait longtemps que je l'avais pas vu ce Pokémon. Lixie en reverse. Oh, on a une dorée. Oh my god. J'ai une dorée. Oh là là, attendez, j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Attendez, je vais vous mettre juste le bas de la carte. Oh là là. Oh mon dieu. Je m'attendais tellement pas à avoir une dorée dans un coffret comme ça. Mais Aqualite est le meilleur en fait. Oh mon dieu. Désolée, je répète, oh mon dieu, mais en fait, je suis sous le choc.
Et oh là là. Bon, allez. On va la soulever. Cours d'entraînement. Bon, ok. C'est pas la meilleure dorée, mais on a une dorée quand même. Ok. Bah écoutez, là forcément, ça mérite une sleeve et un top loader. Même si ce n'est pas un Pokémon, c'est quand même une dorée. Oh mon dieu, ils m'ont fait une fausse joie quand même, hein. C'est pas bien ça. Bon bah voilà, cours d'entraînement en doré. C'est pas exactement le genre de carte qu'on aimerait avoir en doré. On préfère les Pokémon, mais c'est pas grave. Je la garde quand même, c'est une dorée. Bah voilà, j'ai toujours mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Là, la pression n'est pas encore redescendue. Je pense qu'il me faudra un moment. Hein. Mais sinon, franchement, bah, c'est une dorée quand même. Donc, je suis évidemment très contente. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc, on va faire un petit récap quand même pour vous dire que. Enfin, on va faire. Je vais faire un récap toute seule. Je sais pas pourquoi on. On pourra échanger dans les commentaires. Hein. D'ailleurs, je vous en prie, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire ce que vous pensez de ces coffrets Aquali, Voltali et Pyroli. En tout cas, moi, du coup, bah, ce que j'en pense, c'est que forcément, ce sont des très beaux coffrets. Je ne parle pas des boosters, hein, on en reparlera juste après. Je vais déjà commencer par les cartes promo qui, pour moi, est le plus important en fait. Pour moi, c'est vraiment des coffrets à avoir. Dans le sens où, évidemment, à ouvrir, parce que pour moi, c'est des cartes clairement que je veux avoir dans ma collection et pas juste en scellé. Mais vous pouvez aussi très bien en garder en scellé, parce que je trouve que c'est aussi des très beaux coffrets à garder scellés. Mais à ouvrir, franchement, c'est juste pour les cartes promo, vous les ouvrez. Ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, de tous les coffrets que j'ai ouverts, c'est clairement les plus beaux coffrets que Pokémon a pu sortir. Donc voilà, moi je suis très très contente de ces coffrets. Les cartes sont vraiment magnifiques. Je sais, je me répète, mais elles sont vraiment magnifiques. Et évidemment, pour l'ouverture des coffrets, alors c'est totalement aléatoire. Hein. Comme vous l'avez vu dans le premier coffret, j'ai pas eu grand-chose. Dans le deuxième, c'était vraiment pas mal, le deuxième. Et le troisième, alors là, c'était le summum. J'ai bien fait de les ouvrir dans cet ordre-là. Parce que si j'avais fait un autre ordre, franchement, ça aurait pas été pareil. Donc là, je suis très très contente de les avoir ouverts dans cet ordre-là. Ça faisait vraiment crescendo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye!